Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vivre 4 jours de folie à la Motte avec moi, entre immersion chez Ola La Sellerie, dédicace, épreuve de mon écurie, mais également remise de prix, vous allez en voir de toutes les couleurs. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence donc notre séjour à la Motte chez Ola La Sellerie pour faire une petite immersion en tant que vendeuse chez Ola La à la Motte. J'ai donc passé plusieurs heures sur leur stand à pouvoir vous conseiller et vous aider dans vos achats tout simplement. Et franchement, ça m'a rappelé la bonne époque où j'étais vendeuse en sellerie et c'était juste trop cool. La team est juste hyper soudée et malgré la chaleur et les conditions de la Motte Beuvron qui ne sont pas toujours très idéales, c'était juste trop cool de pouvoir donner un petit peu la main à la pâte et de voir du coup le stand Olala sous une autre vision que la vision d'un. Et voilà, j'ai juste trop aimé. Je vous laisse donc avec cette immersion chez Ola La Sellerie. C'est parti. S'en fout, c'est maman qui paye, c'est ça. Ou alors on commande sur internet. Ah ouais, voilà, okay. Tu vois, c'est sympa. Celui-là il était beau, hein. Celui-là il était beau. J'avais pas le côté ça, mais parce qu'elle a le tapis en fait, il va avec la cavalière. C'est pour ça qu'elle voulait. Là c'est ça, c'est poney poney. C'est poney. Ah non, prends ça. Parce que après, puis elle pourra le mettre sur un autre poney, elle va pas tuer à cœur. Hein. Non, après les oreilles. Elle va passer à cheval en plus. Ouais, hein. Parce que là, à cœur, il va trop petit. Et encore. Moi, je pense que. Je suis sûre, je te dis, elle arrête pas de nous le dire. Noir, c'est les modèles, c'est leur sûr. Ça, c'est sûr, la mienne. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Allez, parfait. C'est bon, ça marche. Ah, tu seras tout, les filles. Tout ce que vous voulez. Et la pierre à sel. Le lendemain, on switch sur un meet-up organisé par le stand fédéral et c'était juste trop cool de vous rencontrer, comme d'habitude.
Avec vos applaudissements, wow, voici le podium. Wow. Mais que d'aventures à la mode cette année. Merci énormément à la Fédération Française d'Équitation de m'avoir permise de pouvoir médailler une championne de France. C'était juste exceptionnel. J'en avais des frissons, même si ce n'était absolument pas moi sur le podium. Mais de pouvoir médailler l'une d'entre vous, qui de plus était une abonnée, c'était juste exceptionnel. Donc merci encore à toi Inès, parce que tu m'as envoyé des petits messages après, c'était juste trop mignon. Mais j'ai adoré cette expérience. Et voilà, à défaut de pouvoir moi-même faire la motte, et ben j'ai pu médailler l'une d'entre vous. Et c'était juste incroyable. Donc je vous partage ça avec beaucoup d'émotion. On a trop mangé. On aimerait bien aller taper une sieste là. C'est bon là, non? Manger, beaucoup trop manger au restaurant de la Fédé des officiels. C'est trop bon d'ailleurs. Et j'ai fait ma première remise de prix. Et j'ai médaillé du coup la gagnante de l'épreuve Club 2 Elite. Donc trop bien. Trop bien en junior. Bon, c'était pas ta fille sur le podium, mais c'est elle qui remettait la remise de prix. À la première. Bon, jour numéro 3. On vient d'arriver à la motte. Direction le stand Olala Sellerie pour la chasse au trésor. Si vous avez suivi sur Instagram, on fait une petite activité ce matin. Donc je vais aller dire bonjour chez Olala Sellerie et ensuite je vais commencer à poster des stories. Et le but c'est de me retrouver. Et pour les premiers qui me retrouveront à la motte, du coup ils auront un petit coupon, coup d'abonnés qui sont au taquet, dont la team de mes écuries, qui je pense, la team des écuries, là ils sont remontés comme jamais, et ils ont envie de gagner le lot Olala. Donc ça va s'affronter entre la team de mes écuries et bon nombre d'abonnés, et je pense que ça va être le bordel, ça va être très drôle. Few moments later. Mais on sait. Cette dodo elle est trop forte. Mais les gars, 2 minutes. Ouais. La première. Mais non, non, mais pas. Cette dodo elle est trop forte. Là-bas, courez. Oh là là. Bah ça a pas duré longtemps l'histoire. Hein. Okay. J'ai tous mis ton truc en. Les stories, notifications, tu vois. Oh franchement, dodo t'es forte hein. Elle veut traverser par là, tu vois. Rien à foutre hein. Et nous on a sauté. Ouais. Ouais. De quoi? Bah du coup c'était un mot et je viens d'être trouvée, je suis désolée. Vraiment désolée. Joyeux anniversaire partie 2.